Wesh wesh wesh, comment allez-vous les abonnés de la OPFR? Écoutez-moi, je vais super bien. Toute nouvelle vidéo pour le Throne of Pop Stomping, vidéo basée sur le nombre de vidéos uploadées cette semaine. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, vous verrez, il y aura beaucoup de rebondissements dans cet épisode. Donc pour l'ouverture de ce top 10, nous avons la OPFR. Donc ouais, donc c'est ma propre vidéo de la OPFR, c'est notre top 10. Et alors ça peut faire quoi donc les gars? Avec un total de 4 vidéos mises en ligne, avec plus de 4686 abonnés, donc on recommence à peu près à prendre du rythme sur la PFR, donc franchement, bah moi je vais pas dire qu'on est nul, donc du coup rien à dire. J'arrive à en tirer 7 minutes 50, donc j'ai quand même pas commenté pendant 7 minutes 50, parce que je pense qu'au bout de 3 minutes vous avez déjà quitté le gameplay, donc je pense que Kaizen va mettre le gameplay en... Pour la 9ème place de ce classement, nous avons la Annie The Weakland, donc j'ai longuement hésité à les mettre dans ce top 10 car ils ne font pas 100 vues par vidéo et parce que ils nous ont beaucoup critiqué, moi et la EPFR, ils ont craché sur la dernière vidéo que j'ai fait sur la EPFR, donc du coup j'ai vraiment hésité à les mettre sur ce top 10, mais vu que moi je suis pas un gamin puis la EPFR non plus, on les a quand même mis car elles ont quand même fait 6 vidéos cette semaine et puis ils méritent quand même leur place dans ce top 10. À la 8ème position, nous avons la Styx Clan qui nous ont fait également 6 vidéos cette semaine. Donc je les ai mis devant la Annie The Weakland car ils ont plus de vues hebdomadaires que la Annie The Weakland. Donc ce qui me semble assez normal. Donc je tiens juste à m'excuser envers les co-leaders et les leaders de la Styx Clan car dans mon dernier épisode j'ai dit qu'ils cheataient leurs abonnés. Et c'était tout simplement des rumeurs car ils montent extrêmement vite et je les félicite. Et on passe directement à la 7ème position. En effet, les amis, sur Infinite Warfare, on pourra peut-être retrouver des online bots. Donc ce qui est traduisible en français par des. 7ème position, nous avons la Dexa Clan qui nous ont fait une magnifique nucléaire au locust réalisée par Paradise Arrow, un gars sûr à moi qui habite aussi en Suisse, donc franchement ça fait super plaisir. Donc ils ont aussi fait également 6 vidéos cette semaine, mais vu qu'ils ont fait plus de vibes de Maldir que la TW et la Styx Clan, ils sont 7ème bien évidemment. Donc ils reprennent de l'activité, ça fait vraiment super plaisir. Ils ont fait, voilà, comme je vous disais, 6 vidéos, alors que pendant 2 semaines ils n'avaient pas fait de vidéo, donc franchement un gros GG à eux. Et on passe directement à la 6ème position. Consacré uniquement à Call of Duty, dans cela on pourra jouer au multijoueur de Call of Duty Infinite Warfare et du coup bah comme sur Black Ops 2, il me semble que vous serez MW3 parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas fait. Également avec 6 vidéos uploadées durant la semaine, nous retrouvons la FTW alias la Force of the Wing qui nous ont fait, comme je vous le disais également, 6 vidéos cette semaine pour un total de 1900 abonnés. Donc franchement, bientôt les 2000 abonnés les gars, GG à vous, avec une petite vidéo World Record à la Peacekeeper, alors une nucléaire en 60 secondes. Donc un gros GG à Telium, et puis voilà, donc on se retrouve directement à la 5ème position, vous verrez, vous serez extrêmement surpris. Pardon, ça chauffe la voix tu vois. Du coup, j'ai plus que 30 secondes à commenter. Alors, on va parler de l'image. Du coup, c'est un fake. Voilà, je vous le dis direct. Et là. Voilà, énorme surprise à la 5ème position. Nous retrouvons là Abyss Clan qui nous ont fait seulement 6 vidéos cette semaine. Alors que la semaine passée, ils avaient fait 17 vidéos. Je comprends pas trop leur délire. Donc, ça fait 2 jours qu'ils n'ont plus fait de vidéos. Pour un total de 113 000 abonnés. Je pense qu'actuellement, ils en ont 115 000. Donc, franchement, je sais pas trop ce qui se passe de leur côté. S'ils ont des bugs avec Cayman, tout ça. Mais bref. On passe directement à la 4ème position, vous verrez, c'est aussi au niveau du pied du podium. Dans cette vidéo, je les aurais bien utilisés, parce qu'ils sont quand même magnifiques. Dommage qu'on puisse pas se les prendre entre nous, les paint shops, parce que vraiment, il y en a certains, j'aurais bien kiffé. En tout cas, on avait Karabaf sur la M8, tu trouves super. À la 4ème place de ce classement, nous retrouvons la Know You Wedge qui nous ont fait 7 vidéos cette fois-ci sur leur chaîne YouTube pour un total de 78 767 abonnés. Donc cette semaine, ils ont gagné des abonnés, ah, il faut noter. Et puis voilà, donc 4ème position, la Know You Wedge, ça fait aussi bizarre qu'ils ont comme 78 000 abonnés. Puis la semaine passée, ils avaient fait 12-13 vidéos, puis cette fois-ci que 7 vidéos, je sais pas trop ce qui se passe, c'est peut-être la fin des vacances. Donc les gens, ils commencent à avoir un peu marre de faire des vidéos, enfin bref, je sais pas trop, et on passe directement à la 3ème place de ce classement. Le Space qui fait son retour peut-être, qui serait peut-être une espèce de remake du Space 12, le couteau, l'UMP45. Donc à la 3ème position de ce classement, nous retrouvons la Onyx Clan qui nous a encore régalé une semaine de plus avec 9 vidéos uploadées. Donc ils ont aussi bientôt les 4000 abonnés, franchement rien à dire. Donc les gars, faites pause à cette vidéo et dites-moi dans les commentaires est-ce que vous pensez que c'est le Obscure Clan ou la On My Way qui sont premiers. Et je vous passe directement la 2ème position.
soit sur Vénus, bon je ne rappelle pas le nom de la map, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est la seule map, si je me rappelle bien, constituée presque entièrement de glace sur notre... Donc à la deuxième position de ce classement, nous retrouvons la Obscure Clan cette semaine. C'est pas encore première position, chaque fois je dis qu'ils sont quatrième, mais cette fois ils sont quand même deuxième, donc un gros GG à eux. Donc une vidéo présentée par Hypark, donc dommage qu'il a arrêté la Titanium pour être seulement commentateur dans la Obscure Clan. Je trouve vraiment que c'est dommage, il aurait pu faire un RC, mais bref, il fait ses choix comme il veut. Donc l'Obscure Clan qui nous ont proposé cette semaine 10 vidéos pour un total de 7845 abonnés. Donc également bientôt les 8000 abonnés pour eux, donc GG à toutes ces teams qui vont bientôt passer un cap d'abonnés. Et on passe directement à la première position, je sais déjà à qui vous pensez. Raciste là, donc pour ceux qui aiment Walking Dead, c'est un personnage qu'on aime pas trop, mais qui en fait est plutôt sympa, enfin en début en fait on l'aime. Donc à la première position nous retrouvons la On My Way qui nous ont fait 11 vidéos cette semaine, donc eux aussi bientôt les 11 000 abonnés, donc gros GG à eux. Je sais pas trop quoi dire les gars, c'est eux la première position, franchement ils commencent à dominer le monde de la performance. Donc voilà, donc j'espère quand même que ce top 10 vous aura plu, puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye. Mais ça permettrait d'amener une cohésion et une vitesse de jeu entre les opus de Battlefield. Il n'y a plus qu'à espérer que les développeurs de Call of Duty prennent quelques notes et puis fassent un système assez similaire pour les opus différents de Call of Duty.